lait refroidir la ferme assez rapidement, hein, dans la demi-heure, une heure après la traite. Hein. Le lait est déjà refroidi à 4 degrés. Donc, non, ça ne change plus grand-chose. Puis bon, c'est un coût. Hein. Aller chercher le lait tous les 24, tous les jours, bah, c'est un coût. Hein. Et la taille du producteur, c'est petit ici ou assez grand? Il y a de tout. Mais bon, il y a, je ne sais pas, oui, on a 300 000 de moyenne. Le temps de réponse pour une analyse bactériologique. Une analyse bactériologique, au mieux, c'est 24 heures. Au mieux, 24 heures, et en extérieur, c'est 48-70 heures. Donc c'est pour ça qu'on travaille toujours sur les séries statistiques. On sait que sur les producteurs qui sont par risque, etc. Et en fonction de ça, on va les orienter sur les trucs. Mais on le sait toujours par risque. C'est-à-dire qu'on peut dire que gros, mais c'est une idée. Donc il fait 11 degrés, puis en plus on règle l'hygrométrie. On fait un peu ce qu'on veut, nous, en température sec, humide. Et donc il m'en reste une semaine ici, à peu près, le temps de la moisissure. Ça... Dans le critère de classement des produits lactiques, on a le riz melin, vous voyez là, ça c'est le riz melin. Alors ce fromage-là a un caractère très lactique, c'est-à-dire qu'en gros, on reverra la fabrication, en gros par rapport à un riz bon au gros, lequel l'acidification est par exemple à J0, et on va emprisonner le lendemain à J1 et on moule en gros une heure après. Le problème ici, c'est qu'on est sur les détails. Pour pouvoir travailler, hein, là. Il y a beaucoup de travail. Ah, ouais, beaucoup, oui. C'est pour ça qu'il y en a un peu partout, comme ça. 13, 14 semaines. 14 semaines. 14 semaines 3 mois et demi, 100 jours.
Oula, c'est long. C'est long, hein. Donc, 100 jours. Oui, c'est assez long. C'est très long. Faut 100 jours. Peut-être 100 jours. 100 jours. Oui. Et on doit encore retourner. Et d'autre part aussi un certain manque d'oxygène. Parce qu'en début de l'alignage, on est en une phase où on va avoir des éléments d'alcarbonie. Après, quand on va aller dans les zones... Les gens pensent qu'il y a le bon produit. Parce qu'on peut toujours s'abriter derrière des gens qui sont bien. Si on peut aller au travail, il faut faire un bon produit. Donc ici, c'est là qu'on fait le positionnement des explorateurs. Minderbekend. Minderbekend, mais comme on est juste Minderbekend. C'est dommage que ce n'est pas protégé ou...